Merci d'être avec nous pour passer ces 45 minutes de déconnade. Et si vous n'avez rien à faire chez vous, eh ben profitez-en parce qu'aujourd'hui, on n'a que des jeux qui normalement vont foirer. On n'a pas réussi à la répétition à en faire un correctement. Donc normalement, tout va foirer. On foire le premier. Bill, aurais-tu la gentillesse de nous présenter le profil du premier candidat afin que l'on puisse foirer le premier deal? Voici le profil de notre premier candidat par la puissance du crâne sacré. Profil. Et maintenant, nous allons accueillir donc la superbe Delphine. Delphine a 22 ans. Oh, j'adore les 22 ans. Elle vient de Marseille, Vincent. Marseille, Vincent, elle est de Marseille. Et elle a été même dirigeante d'un club de foot. Allez, l'OM. J'ai pas lu votre prénom. Delphine, tournez-vous vers les caméras. Ça va, Delphine? Ça va. De Marseille. De Marseille. Jouez un peu au foot? J'étais dirigeante de foot, mais je joue pas au foot. Ah ouais, par contre, vous avez gardé la salle. Ouais. Vous êtes venue toute seule? Non, je suis venue accompagnée de Sophie et Séverine. Adieu Sophie, adieu Séverine. Ça va les galines? Ma fille, comme elles sont belles. Merci, elle. Bon alors, vous savez que dans toutes les émissions du Big Deal, il y a le fameux jeu à la... con. Voilà, ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il est pour moi. Et pour vous. C'est un petit. C'est con, hein. Oui. Voilà. C'est que je les avais pas vus arriver, dire. Bien. Le but du jeu étant de rétablir le bon ordre. On va partir de là-bas. Alors, les 5 cabines de douche sont débranchées. 5 tuyaux. Et là, déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui doivent se raccorder à ces... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qu'on retrouve ici et qu'il faut brancher là-dessus. C'est un ambroglio, ouais. Un plat de spaghettis monstrueux. Vous avez 2 minutes pour faire du mieux que vous pouvez. Sachant que nous, ce qu'on demande, c'est que les filles ne soient pas mouillées et que les garçons soient douchés. On a 2 minutes et si je sens qu'il y a une vraie galère... Je touche pas là-bas. Ah, vous faites ce que vous voulez, hein, mais attention, si vous en mouillez une, c'est perdu. Je fais les tuyaux et ensuite j'ouvre. Ou non, j'ouvre pas. J'ai on pas est pas sorti, hein. Venez, on va reprendre l'émission depuis le début, le générique. Rappelez-moi votre prénom. Delphine. Bonjour Delphine, ça va bien? Alors on est de l'OM, allez l'OM! Je vous explique le jeu. Oh non mais, tiens, tu tournes le dos, ça y est. Non, Charlie, là. Ah, puis ça se reproduit à une vitesse, les mannequins, c'est terrible. 5 douches. Ça, j'ai compris. 5 clients à la douche. Aussi. 2 doivent être mouillés, 3 ne doivent pas l'être. Les filles. Des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. Toutes des merdes. 2 minutes. Allez, 2 minutes. Attention. Alors moi, je vais partir les brancher. Top chrono, c'est parti. Ok. Tu es bien prêt les cabines de douche pour la vie. Qui fait le jeu?
Je l'anime, je le produis, je le fais. Et je fais tout ici. Et enfin, c'est un qui est chez mauvaise mine. Il partait, je l'ai stoppé. Alors, le chronomètre est arrêté. On peut déjà mettre en route, mais attention. Si ça mouille, on est mal. Et là, combien de temps reste-t-il, Bill ? 44 secondes, Bastien. Il vous reste 44 secondes pour faire des changements. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, soit le dieu cathodique est avec nous, et on fait le grand chelem du premier coup, soit on ouvre les vannes, les unes après les autres. Si une fille est mouillée, c'est paumé. Vous le sentez, le truc, ou pas ? Moyennement. Moyen, hein. On n'est pas sûr du grand chelem. Hein. Non. Ouais, forcément. 50 euros et on arrête. Oui, c'est bien. Comme région, bah, ça, ça me semble être un très bon jusqu'à prix. 100, mais j'ai besoin de le reste pour les autres deals. Et comme tous les deals vont foirer, je suis obligé d'avoir beaucoup de liquide. 100 euros et vous arrêtez. Attention, 100 euros, vous êtes sûr de revenir ? J'arrête. À 100 euros ? Ah, vous vous battez pas beaucoup, moi j'étais prêt à aller. Une fille mouillée, c'est perdu. Ah ouais, c'est paumé. Une seule fille mouillée. Ouais, une seule fille mouillée, il faut un grand chelem. Une seule fille mouillée, c'est paumé. Non, je joue la sécurité. Je joue la sécurité. Vous jouez la sécurité ? Ouais. Et moi j'étais prêt à aller jusqu'à 500 euros. Hein. Tenez. Mais on aurait pu, Vincent, on aurait pu vérifier, jeter un premier jet d'eau pour voir. On va vérifier, hein. Ah, on oui, va oui. se gêner. Ah bah alors, vous m'avez fait peur, tous. Bien. Les filles, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, hein. Je lis sur vos visages qu'il est certainement possible que ce soit la dernière aussi, hein. Bien, je suis désolé, hein, c'est pas un... C'est le métier qui a voulu ça, hein. C'était pas bon et on avait tout faux puisque ça... Oui. Oh, c'est corps de rêve. Vous avez joué la sécurité, vous avez bien fait. Bravo. Filé par la coursive. Merci beaucoup les mannequins, merci Audrey, merci Marco, merci Audrey, merci Charlie et merci à vous. Présentons le deuxième deal et le deuxième profil du deuxième candidat. Hein? Ah oui, d'accord. Profil du deuxième candidat. Eh bien, nous allons accueillir Charles et Polo. Grand et tranquille. Ils viennent de Saint-Arnaud en Yvelines. Ah, un très beau parcours de golf. Ils sont champions de judo et ne sont pas douillés. Douillés, judo. Et voilà. Dominique et Yannick le font les affronter. Ils viennent de Beaujour et de la Courneuve. Ils rêvent de grands espaces. Voilà, tout est dit, Vincent. Confirmé, approuvé, accepté, engagé. Messieurs, soyez les bienvenus. Vous êtes donc Yannick ? Dominique. D'accord, et vous, c'est Yannick ? Yannick. Bienvenue. Donc vous, c'est ? Bonsoir, Charles. Charles ? Polo. Polo. Judo en tant que loisir, compétiteur, champion ? Judo. Parlez bien dans la sucette. Ouais, prof et puis compète. Ah ouais, d'accord. Et vous ? Moi, un peu de compète et puis Vous ne l'enseignez pas, vous ? Loisir. D'accord. C'est combien d'heures par semaine ? En gros, en entraînement, ça fait 5-6 heures par semaine pour être bien. Quoi. Depuis ? Au minimum. Depuis longtemps. 20 ans. Depuis l'âge de 6 ans. De l'autre côté, quel sport vous pratiquez ? Nous, on fait du 4x4, nous. Ah ouais ? Ah ouais. Bah, je vais plutôt aller là. Hein. On se salit plus. Oui, mais vous, c'est 4x4, balade Paris-Dakar ou Paris-Deauville ? Non, plutôt Paris-Deauville, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Le but du jeu est très simple. Il va falloir réussir à envoyer des boules de feu dans l'eau. Mais l'équipe adverse va tout faire pour les en empêcher. D'accord ? Qui commence à lancer ? Qui commence à rattraper ? Vous allez au panier ? D'accord. Rendez-moi la sucette. Mettez-vous chacun d'un côté du bassin. Alors, celui qui va gagner le plus de points remportera un voyage. Bill, ouais. On en dit plus ou pas ? Ouais, si on laisse la surprise. Mais c'est un très très bon voyage. Ouais. C'est une semaine de rêve. Ouais, mais donne juste le prix, par exemple, juste pour énerver.
4 610 euros pour la vibration. Qui de vous deux va dans l'eau? Qui de vous deux catapulte? Vous catapultez, vous? D'accord. Alors, venez là, vous. Donc, vous montez debout là-dessus. Moi, je mets la boule de feu là. Le but du jeu, donc, je l'ai expliqué. À vous deux de faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans l'eau. Et à vous de faire en sorte qu'elle aille dans l'eau. Oh, ce serait, ça serait rigolo. Oui, non, ça. Je n'ai pas peur du feu, je suis un fakir. Oui, regarde, je fais ce que je veux de ton corps. Vous êtes prêts? Allez, premier. Et dans l'eau. Elle n'est pas bonne, celle-là. Faut qu'elle aille directement dans l'eau. D'accord. Allez, me la chercher. Voilà, ça, c'est pas bon. Hein. Faut que ça aille directement dans l'eau. Hein. Faut donner plus d'impulsion. Hein. Voilà. Attention. Il y a combien de lancers chacun, Bill? 4, Vincent. 4. Vas-y, grand fakir. Maintenant, entre les jambes. Ah oui, tu es très fort. Allez. Ouais. Allez. Et pour l'instant, 2 lancers, 2 ratés. Pas d'un peu plus vous voyez. Très belle jambe de notre ami candidat. Allez, la villa, vas-y. Oh, attends, il n'est pas droit. Voilà, allez. Le dernier, ils sont 2 points, ils sont 2 points. Attendez, vous êtes prêts? Allez! Celui-là, il est beau. Yannick et Dominique ont 1 point. Moi, j'aime bien les imprévus. Monsieur me dit, Vincent, j'ai paumé mes lunettes dans la piscine. Bah, ouvrez les yeux, allez chercher. L'avantage de cette piscine, c'est que le fond remonte, elles sont là-bas, 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 marchez pas dessus, hein, là. Mais oui, mais il voit pas, Vincent, il a pas ses lunettes. Voilà, pas besoin de lunettes pour voir clair. Qui saute, qui va dans l'eau? Vous sautez. C'est, ils ont pris le gros, le plus costaud. Le plus costaud. Je rappelle que notre ami Polo a entraîné David Douillet pendant 8 ans. Et qu'il est très susceptible. Il suffit qu'il y en ait 2 dans l'eau pour gagner. Allez! Oui. Doucement, hein, parce qu'il y a les décors. Et la bascule, elle n'est pas fière. Hein, Mais vous faites attention, Polo, au cadreur qui est un peu en hauteur derrière la piscine là-haut. Hein. Faites attention si vous allez le dégommer. C'est Gus, et on y tient, c'est un monument classé historique. Et attention! C'est terminé! C'est gagné! C'est bien, on y a avec son sac à volume. Félicitations, bravo. Vous avez tenté votre chance, vous avez été de fort bons combattants. Merci d'avoir été avec nous. Je vous salue maintenant, la partie s'arrête pour vous et vous filez par le fond du plateau. Merci d'avoir été avec nous. Les applaudissements, s'il vous plaît. Donc, vous allez partir pour un voyage de 4000 euros. Ah oui. Mais où allez-vous partir? Alors Vincent, si je vous évoque cette chanson célèbre, ah, le petit vin blanc. Ah, vous allez à Joinville-le-Pont. Oh.
Exact. Les images tout de suite. Regardez le nouveau Joinville-le-Pont. Il s'appelle Rio de Janeiro. Vous partez au Brésil. Non, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Si. Mettez-le dans l'eau, mettez-le. Si vous le mettez dans l'eau, c'est pas une semaine au Brésil, c'est trois semaines. Si vous le mettez ils ont dans pas l'eau. Entendu, et c'est tant mieux. Merci. Voilà. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Si vous le mettez dans l'eau, non, c'est trois semaines au Brésil. C'est des conneries, €4 610, partez tous les deux une semaine au Brésil, donc. Au Brésil. Vous partez au Brésil. Où ? Vous vous rebaignez, vous allez chercher ce qui est en bas du flotteur. Alors, ben je vous pose la question. Moi, non. Non ? C'est mon copain qui s'est inscrit et il rêve d'aller au Brésil et j'ai pas l'intention de lui gâcher ce plaisir et le cadeau est pour lui. On part au Brésil ? Allez, on part au Brésil. Fred, remonte ! Ils vont partir tous les deux au Brésil. Remontez-moi, quel petit ! Et voyons ce à quoi vous avez échappé. Hop là ! Qu'est-ce qu'on trouve au faux de long, Vincent ? Ouf ! Une encre ! Ben voilà. C'est une encre. Oui, c'est... Voilà, vous l'avez entendu, hein, je vais pas l'ouvrir, c'était une encre. Vous avez bien fait. Merci d'avoir été avec nous tout à l'heure pour le deal final. Et bravo. Eh ben, ça va à une vitesse, c'est déjà deux trucs. Et finalement, celui-là, il a pas foiré, hein, vous avez vu, hein. Ah, j'ai été mauvaise langue. Non, j'ai été mauvaise langue. Allez, vas-y, le profil suivant du candidat suivant, s'il te plaît, Bill. Eh bien, nous allons accueillir maintenant, je suis sûr d'accueillir Aurélie. Oui, Aurélie a 23 ans. Alors, elle vient de Rotisigua. Et son rêve, c'est le même que le mien, nous allons le faire ensemble. C'est fonder une famille. Oui, Aurélie, je serai cette femme-là. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir, Bill. Ça va bien. Vous pouvez faire aussi Vincent, Vincent. Ouais. Non, c'est trop compliqué. Alors faites Varélie. Aurélie, dites-moi, vous rêvez de fonder une famille. Oui. Vous avez déjà trouvé l'homme pour ça? Oui, je me marie l'année prochaine. Il y a combien de temps vous êtes avec lui? Ça va faire 2 ans. Ah ouais, vous avez pu tester le pour, le contre et... Voilà, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. D'accord. Vous savez que dans une émission de télé-réalité où on est là pour dire ce qu'on pense des autres. Alors, dites-nous quels sont les gros défauts de votre futur. Il se couche à pas d'heure. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Pour faire des enfants, c'est chiant, hein. Faites quoi dans la vie? Je suis agent de convivialité sur mon bulletin de salaire, c'est-à-dire qu'en fait, je suis secrétaire et je m'occupe des personnes âgées. C'est bien, c'est voilà. Bien, c'est bien. Bientôt, vous pourrez vous occuper de moi. Aurélie, je vais vous proposer un jeu d'observation, de réflexion et de rapidité. Oui. Vous allez avoir le temps d'une circonférence complète, c'est-à-dire que vous allez faire 360 degrés. Mmh. Quand vous allez vous retrouver à ma place, vous en profitez pour lire l'énigme qui est affiché sur l'écran. Oui. Et quand vous vous retrouvez dos à l'écran, il faut me donner la réponse. D'accord. Une seule réponse. Une seule. OK ? C'est de plus en plus difficile ou même pas. Non, c'est vraiment des questions qu'on pourrait retrouver sur un questionnaire de QI. Bill ! Vincent, mon ami, Vincent ! De combien sera rétribuée la bonne réponse ? 200 euros pour la jolie Aurélie. 200 euros, il y en aura. Merci. Deux. Merci, mes amis. 3. 6, 9, 1800 euros à gagner. Vous êtes prête? Prête. Vivi, premier tour. Ah, c'est Vivi qui commande. Ouais. Regardez bien l'écran. Ben, pas moi, je disparais. Attendez avant de me donner une réponse parce que vous n'avez droit qu'à une seule réponse. 1, voilà. 3, point d'interrogation, 7, 9. Le chiffre manquant est le 5. Parce que ce sont les impairs. 1, 3, voilà. 5, 7, 9. Facile, hein? Facile pour l'instant. 200 euros, c'est gagné.
Deuxième. Quel est l'intru? Un cheval, un chat, un chien, un perroquet. Perroquet? Pourquoi? Parce qu'on lui a soufflé. Non. Vous me dites un perroquet, c'est oui, une bonne réponse. Attends, dites-moi pourquoi. Oui, je serais curieux. Il y a plein d'idées. Perroquet parce que c'est le seul qui vole, par exemple. C'est le seul qui vole, c'est le seul qui soit à plume, les autres à poil. Voilà. Et c'est le seul qui ne soit pas commençant par che, cheval, chien, chat, perroquet. D'accord. Il y a des gens bonne à poil. Réponse. Ah bon. Je vais vous demander, qu'est-ce qui manque? Quel est le symbole, la lettre ou le chiffre manquant? On est parti, troisième question. Eh, facile. C'est une atteinte à votre intelligence sur ce coup-là. Hein. C'est le O. Le O parce que... A-E-I-O-U. Bonne réponse. Un poil plus difficile. Je vous propose quatre villes. Je vous demande quel est l'intrus. C'est parti. On ne souffle pas dans le public. Vous ne soufflez pas le public, s'il vous plaît. Non, ne dis rien, s'il vous plaît. Là, je vous demanderai pourquoi. Allez, une fois. Je dirais Blois, mais... Parce que... Je sais pas. Comme ça. Au pif. Au pif. Bill, tu acceptes le pif? Oui, j'accepte le pif. Allez, Blois, c'est une bonne réponse. C'est la seule qui soit pas au bord de la mer. Voilà, je m'en doutais, mais bon, je sais pas. Exactement. J'ai hésité. Bien. Ça, c'est fini. Vous allez me laisser là longtemps. On continue? Oui. Allez, une opération, je vous demande le résultat. C'est parti. Le public ne souffle pas. Ça fait zéro. Bien. 4 et 3, 7. 5 et 4, 9. 7 moins 7, 0. 9 moins 9, 0. On joue avec 4 photos, vous me dites quel est l'intrus? Allez, on continue. Moi, j'aime bien ce jeu-là, finalement. Ah oui, tu te reposes. Ah ouais. Ça, c'est moins pastoche. Le haricot, poire, pastèque, pomme de terre. Haricot, pourquoi? Poire, pastèque, pomme de terre, haricot. Moi, je dirais l'haricot. C'est gagné, c'est une bonne réponse. Poire, pastèque, pomme de terre. Par un pied. Cette ligne commence par un pied. Une recette pour faire quelque chose. Il manque un ingrédient. À vous de me dire lequel. C'est parti. Mmh. Eh, marche bien le truc. Il foire pas. Normalement, il aurait dû foirer le truc. C'est pas malade d'ailleurs. Non, ne soufflez pas, s'il vous plaît. Sinon, j'annule le jeu. Eau plus sel plus farine plus... Pour faire du pain, il faut... Œuf. Non. De la levure. Ah. La levure. Bon, mais... Nous sommes toujours à 1200 euros. On y retourne. Quatre monuments, quel est l'intrus? Ça, c'est pas ça. Faut déjà les reconnaître, hein. Bah, ouais. Tu t'amuses bien. Si vous ne les avez pas reconnus, je vais vous les citer. Ouais. Il y a l'Arc de Triomphe, oui. La Tour Eiffel, oui. Les Invalides, oui. Et le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Parce que... Parce qu'il n'est pas à Paris. Exactement. Bonne raison. Ouais. €1400. Elle et le dernier, on joue avec des végétaux. Il y en a quatre. Quel est l'intrus et pourquoi? Et là, on va pas vous aider. Eh bien, ma Kéops, hein. Ouais. Personne pour la trimballer en bas, toute seule. Le persil. Parce que...
parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est pas constitué pareil, donc peut-être que c'est ça. C'est pas un bulbe. Voilà. C'est pas un bulbe. Voilà. C'est une excellente réponse. Et voilà comment... Scène, hein. Oui, presque. Voilà comment Aurélie se retrouve à la tête d'un capital de 300 euros. Bien joué, Aurélie. Formidable. Combien? Hein? Combien? 1600, pourquoi? Ah, 1600, il comprend. 300 euros. Moi, j'ai dit 300 euros. J'ai mal entendu, pardonne-moi. Oh, j'ai exagéré. Vous avez gagné 1600 euros. Si vous voulez faire plus, vous prenez ce qu'on a enfermé dans le garage. Ah. Ou moi. €1600, plus de 10 000 francs. Mmh. Ou le garage. Vous êtes deuxième au Big Deal final. Je peux demander? Je vous en prie. À qui demandez-vous? À Danielle, ma future belle-maman. Où est-elle, Danielle? Bonsoir, Danielle. Êtes-vous de bons conseils? 1600 € quand on va se marier, c'est une petite somme quand même. C'est pas mal. Vous avez une voiture? Non. Ben ça tombe mal parce qu'on en a pas mis. Ah si, c'est maintenant qu'il y en a une. Attends, c'est maintenant qu'il y a une voiture? Ah, je fais comme si. Ouais, c'est maintenant qu'il y en a une. Je vais prendre Vous prenez ça dans le garage? Dans le garage. Bill, vas-y, récupère tes 1600 euros et ouvre la porte du garage. Et alors, ça si c'est la voiture! Elle est à vous. Elle est petite, d'accord, mais c'est 4 roues à volant et pour démarrer une vie de futur marié, maman, épouse, fidèle, attentive au moindre désir de votre mari. Alors, et ben voilà, et c'est la voiture qui l'a vous. Hop, allez. Dommage que vous mariez, vous n'avez rien de gagné, voilà, pas bon. Hein. Monte encore. C'est bon. Allez, descendons vite, on va voir cette voiture. Vous êtes heureuse, Aurélie? Très heureuse, merci. Un petit bisou. Écoutez votre future belle-mère. Un petit bisou à ma soeur, peut-être. Allez, venez par là, venez vite. Combien, je te suis sans problème. Ben. Aurélie, savourez votre victoire et votre bonheur. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Aurélie. Devant, voilà ce qui attend nos deux candidats, dont voilà le profil. Au passage, tu as perdu ta casquette. Voici un Josselin qui va 26 ans, bien sûr. Excusez-moi, qui vient de Belvard. Et il est sportif et fêtard. Les deux vont bien ensemble et il va affronter, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Mathieu. Mathieu, voilà, démarche d'homme, bien sûr, 26 ans. Il vient de Sucy-en-Brie dans le 94. Et aujourd'hui, c'est sa grand-mère qui est à la fête. Pourquoi? Il va nous l'expliquer. Pourquoi grand-mère est à la fête? Ah pardon, bonsoir. Bonsoir Vincent. Pourquoi grand-mère est à la fête? Eh ben, grand-mère, elle suit le Big Deal depuis la création, elle adore, elle savait pas qu'elle venait là aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Simone. Simone. Elle est dans le public. Simone. Elle est dans le public, Vincent. Promettez-moi, quand on revient sur le plateau, de vous jeter dans mes bras et de me faire la plus grosse bise que vous n'ayez jamais faite. Elle te fait Oh oui. Et vous êtes venu avec qui? Ah, moi je suis venu tout seul en fin de compte, parce que je suis de la Mayenne, donc la Mayenne c'est un petit peu loin, donc... Mais tout le monde me regarde à la télé, ou je fais un petit coucou à la Mayenne. Moi, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'ai pas d'aile d'écureuil. Et j'ai surtout pas l'aile de kitesurf qu'on va vous accrocher derrière et qui représente une résistance monstrueuse. Je l'ai dit tout à l'heure, 140 km/h de vent. Le but du jeu, c'est très simple. Celui qui ira le plus loin
sur le travelling, sur le chemin de fer, remportera l'épreuve. L'un de vous deux démarre. L'autre tente sa chance. S'il arrive à battre, le premier aura une deuxième chance. S'il n'arrive pas à battre, ça sera perdu. S'il le bat, le deuxième aura également une deuxième chance. Il est à l'heure aujourd'hui avec sa grand-mère, donc il va commencer. Ah non, c'est chronométré, me dit-on. Ah, chronométré. Oui, oui, non, non, mais c'est tout à fait ça, Vincent. Mais pour départager et être sûr que l'un va plus vite que l'autre et plus loin, nous allons chronométrer en même temps. Ce n'est qu'un petit ajout à ta règle. So, are you ready? Je suis prêt, Vincent. Ça va tirer, ça va pousser, c'est monstrueux. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Attention pour le chrono. 3, 2, 1, top, c'est parti. Musique, courant d'air. Ah, il fatigue. Ah oui, il fatigue. Quand vous nous dites stop, on est OK. Hein. 20 secondes. Stop. Voilà, c'est noté, Vincent. Tout a pété, tout a déraillé, tout. Vous avez tiré tellement fort, vous êtes arrivé jusque là, bravo. En 49 secondes. Oh, la colère que vous avez mis là. Alors, mon ami Vincent, nous sommes bien d'accord que si l'ami Jocelyn va un peu plus loin que la marque en moins de 49 secondes, il gagne. Certes. D'accord ? Voilà. Même punition, 49 secondes à battre ou la distance. C'est vous qui me dites quand vous êtes prêt. Bah, top, c'est parti. 3, attention pour le chrono. 3, 2, 1, top, c'est parti. Chrono parti. Ça déraille, on va pour faire faire un essai, mais c'est les mêmes conditions que votre adversaire, et lui a déraillé en bout de voie. Il fatigue, donc, là, il fatigue, c'est bon pour vous. J'ai remis le chrono à 49 secondes, mon ami Vincent. Oui, je m'occupe de tout. Bonjour. Bonjour la France. Fred G, je suis avec toi. Bien. Attention, on est prêt. On est prêt là-bas. 3, 2, 1, go! Bien au fond du fauteuil, au fond du fauteuil. Au fond du fauteuil. Voilà. Malheureusement, vous avez déraillé, là. Mais je peux plus rien faire. Et là, on peut plus rien faire pour vous, malheureusement, là. Ça aurait été avec plaisir. Mais là, on a fait ce qu'on a pu. Et malheureusement, lui a déraillé, mais une seule fois et à la fin. Okay, et on vous a donné une deuxième chance pour essayer d'être à peu près équitable. C'est donc une grande victoire. Rappelez-moi votre prénom. Mathieu. De Mathieu. À la bonne heure. Mamie n'est pas venue pour rien. Et si ça peut consoler Jocelyn, il lui restait uniquement 16 secondes pour faire mieux. Donc, tu vois, c'était pas gagné-gagné. Bill, que dois-je faire? Y a-t-il un deal à faire maintenant tout de suite ou rentre sur le plateau? Bien, déjà, nous pouvons dire à notre ami Mathieu qu'il n'est pas venu que pour la gloire, puisqu'il vient de gagner. Je vous demande d'applaudir très fort. 1400 euros, mon ami Vincent. Hein, 1400 euros. Bon. Merci, Bill, merci. Donc, 1400 euros, ça c'est gagné. Vous décidez. Maintenant, moi. Toujours un billet d'avion qui traîne quelque part. Je suis toujours prêt à partir, on sait jamais. 1400 euros, ça vous assure la deuxième place. Comme vous l'avez cogité, ils ont gagné un voyage au Brésil, les premiers. Peut-être vont-ils le garder, il en rêvait. Moi, je vous propose une destination inconnue. Hein. Ça peut être tout à fait Tahiti, Nouméa, Bora Bora, La Courneuve, Sarcelles, Melun. D'accord. Mais c'est tentant. 1400 euros, c'est une belle somme. Ouais, mais là, bon, ça peut être un beau voyage aussi. Stratégiquement, je pense qu'ils vont garder le voyage au Brésil et je vais pouvoir tenter l'écran. Soyez sur quoi, le Big vous deal. Vous auriez tenté le voyage? Oui, j'aurais tenté. Vous gardez vos 1400 euros? Je garde les 1400 euros, Vincent. Bill, quelle destination y a-t-il dans mon billet d'avion?
Eh bien, ce n'était pas de l'insulte, c'était tout simplement la Martinique, mes amis. De belles images, de belles filles, de belles plages, de belles eaux, de belles piscines, de beaux hôtels. Et tout ça pour une valeur de 2 750 €, et vous partiez avec la personne de votre choix. Les boules. Allez, on va se mettre au sec, on se retrouve tout à l'heure dans quelques instants sur le plateau du Bigil. Et puis quant à vous, l'aventure se termine. Merci d'avoir été un bon concurrent. Merci Vincent. Mais on se retrouve tout de suite sur le plateau Fénol récapitulatif. Et puis on se retrouve tout de suite sur le plateau après le récapitulatif. Vincent, c'est un honneur, c'est des choses qu'on vit. Oui, chers amis téléspectateurs, d'abord, je tiens à vous dire, c'est important, vous pouvez faire partie du public de l'émission. Oui, regardez, ce public merveilleux. Ah, et bien, il suffit d'appeler le 0825-89-90-91. Et là, David et Jérémy, ce ne sont pas des héros de série policière, mais des copains, ils vont vous dire comment venir. Voilà, ça c'est fait, toi, tu peux y aller. Voilà, c'est parti. Voici le classement en première position. Polo, regardez, il est parti très loin, ils sont peut-être allés chercher ça. Là, il a même soulevé Vincent, il part au Brésil, 4 610 €. Deuxième, donc, c'est Mathieu. Voilà, Mathieu qui est venu avec sa grand-mère et qui a fait un très joli exploit contre le vent. 1 400 €, il espère pouvoir gagner les petits. Nous en saurons plus dans quelques instants. Enfin, la superbe Delphine. Et vous rigolez parce qu'elle n'a que 100 €, c'est pas terrible. Hein. Enfin bon, j'espère qu'elle va pouvoir les rejouer aussi. Mais surtout Aurélie, regardez, ah oui, elle est heureuse, elle a gagné la magnifique voiture à 9 450 €. Elle va pouvoir conduire et construire sa famille dans cette automobile. Et je vous rappelle qu'ils ont tous gagné un abonnement de 1 an, très célèbre, Télé-Brésilien. Phase finale de ce jeu à rebondissement et plein parfois d'émotions avec nos deux judokas. Marco et Polo. Ah oui. Il faut dire que depuis tout à l'heure, on déconne avec ça. Alors évidemment, il est là. Donc Polo et Charles. Et à vous deux, vous avez réalisé son rêve qui était de partir au Brésil. Et pour l'instant, vous avez un voyage au Brésil. Vous avez gagné 1 400 €. Vous aviez la possibilité de partir outre-mer. Puis vous avez dit, on va la jouer stratégique. Et vous, bel enfant, vous avez gagné 100 €. Et vous avez bien fait de les prendre. Oui. Mine de. Bon. Brésil, pas Brésil. Brésil, viens chercher bonheur, forfait. Brésil. Ça part. Nous avons une petite garde pour nous dire que ça s'est bien passé. Bonjour. Voyage. Là-bas. Alors je passe un petit bonjour à ma fille, mon fils, ma femme et la famille au Portugal. Ah, parce que c'est portugais. Très bien. Vous n'avez pas un truc J'embrasse ma famille, j'embrasse mon loulou et puis ma petite fille qui a 15 jours. Voilà. D'accord. 1 400 €. Bah, comme je l'ai dit, stratégique. Je pense à la stratégie. Maintenant, pendant que je suis sur le plateau, je vais quand même en profiter pour me retourner, voir si ma femme va pas me casser la tête à la sortie. Ouais, faut voir ça. Ah, j'ai oublié, faut que j'aille faire la bise à mamie. Ah, la bise à mamie. Ah ben oui. Pour tout ce qu'elle nous passe. Oh non. Bon. Non, mais je vais garder. Je suis désolé, d'habitude je suis d'un naturel plutôt galant et je leur ai bien laissé la place, mais j'ai vraiment envie de jouer, je suis joueur et puis là. Non, y'a pas d'eau. Le but du jeu c'est de gagner le plus gros pour être dans les premiers à pouvoir rejouer pour une voiture. C'est bête. Je vous aurais bien aidé à gagner la voiture, mais je vous ai déjà aidé à revenir aux îles finales. Vous êtes pas fâchés, vous êtes pas tristes? Vous avez passé un bon moment? Merci. Merci à vous. À la barre! Hop, moi faire le malin là, sa femme là. Oui, rejoue. Avant d'aller à la barre, venez, on va aller faire un petit tour, vous allez voir comme on est bien là-dedans. C'est surtout après quand. Non, mettez-vous au volant. C'est surtout après quand on la perd, on a bien les boules. Non, après. C'est. Elle vaut 16 670 €, bah. Mettez-vous là. Oui. Voilà. C'est la voiture où on peut se gratter de l'extérieur. Et c'est fabriqué à partir des plans d'un Charles Leclerc. On peut passer la tourelle. Bien. Allez, vous connaissez le principe? Je connais le principe. Bill vous présente sa famille. À partir de maintenant, vous avez perdu vos 1 400 €. À vous de faire proliférer ses gains. La sœur à la fusée, le frère au pierrot, la mère à la tortue. Qu'en est-il de votre choix, de votre élimination? La fusée me plaît bien. On élimine. On
on élimine la mer. À la tortue. La mer à la tortue. La tortue en rouge, la mer, on l'élimine, s'il vous plaît, dans la rue. C'est un excellent choix, car tout le monde sera d'accord pour le dire, surtout votre grand-mère, vous venez d'éliminer le petit cadeau. Ouais. Ce n'est pas le tout bénef. Masseur électronique, c'est un masseur électronique d'une valeur de 10 euros. C'est pas tout bénef du tout. Du tout, du tout. C'est dur, c'est très très dur là Vincent. C'est plus dur que de tirer sur la corde. Ah bah beaucoup plus dur, hein. Ça à la limite on connaît la règle du jeu, on sait où on doit aller, on y va et puis après c'est réglé. Hein. Là c'est qui tout double, la fusée est attirante. C'est le seul engin mécanique qui soit représenté sur l'écran, voilà. Et moi c'est ce qui m'attirerait. Et puis d'un autre côté, un diable qui sort de sa boîte comme une bonne surprise, ça peut le faire aussi. Ouais, mais la gueule du Pierrot c'est pas une bonne surprise là. Moi je tenterai à la fusée moi. Ah, moi je tenterais bien le frère, moi. Non, moi la fusée, la fusée. Et le public, qu'est-ce qu'il pense? Qui prendrait? Attendez, d'abord, mamie. Prendriez le frère? Mais le frère! Eh ben, c'est ce que je disais. Mais pourquoi hein. Il prend pas le frère? Parce que sinon, je vais me faire gronder. Bon, le frère pour mamie. Le frère pour votre futur. Non, c'est ma femme, hein. Pour votre ex-future femme. Qui prendrait le frère? La sœur. Et mamie, elle est en train de se mettre en colère là. Elle commence à avoir des grands gestes là. Il y a sa petite fille à côté, elle a failli en manger une tout à l'heure là. Bon, il faut mettre un peu d'ambiance ce soir au dîner. Je pense que je vais prendre l'avis inverse de ce que pensent ma femme et sa grand-mère. Comme ça, ça pourra mettre des discussions si je perds. Prends la sœur. On prend la sœur avec la fusée. Et puis c'est tout. On prend la sœur. Contre l'avis de sa famille et de sa grand-mère respectable et adorée, il a osé prendre la sœur. Vous avez la voiture à 16 670 euros. Ça va, c'est ta journée, tu vas aujourd'hui. Arrêtez de me courir après tout le temps. Arrêtez, arrêtez de me trimballer. Allez, allez, à vous, montez dedans. Vous l'avez amplement gagné, amplement mérité, je vous en prie. Il va chercher sa femme et sa grand-mère. Attention à mamie, doucement, hein. C'est un modèle, ça, on a cassé le moule, on n'en fait plus des comme ça. Mamie! Quel bonheur! Je vous embrasse. Allez, c'est sur cette touche de joie et de bonne humeur que je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous laisse avec l'orchestre du Big Deal. Au revoir, Vincent.